الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دوك السلام عليكم ورحمة الله Je tiens tout d'abord à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis durant ces journées bénies. Et j'avoue que c'est un honneur pour moi de pouvoir rencontrer mes frères et sœurs fillah et azza wa jal. Ceux de qui nous a éloignés un certain discours. Zébifadlillah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui cela devient possible. Enfin, je remercie tous les frères et sœurs qui ont contribué à cela. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse accepter de nous nos actions et améliorer les choses à l'avenir. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est sans aucun doute un cadeau divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants et aux croyantes. C'est un mérite exceptionnel. Nous, en tant que serviteurs, il nous arrive quotidiennement, il nous arrive souvent de s'éloigner ou de nous éloigner des préceptes divins, de nous adonner à l'errance. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît la nature de l'être humain. En ce sens, il lui offre des cadeaux durant l'année afin que celui-ci puisse rectifier le tir et revenir vers lui subhanahu wa ta'ala. Vous savez que l'être humain, un jour, dans sa tombe, il sera. Et que vers Allah subhanahu wa ta'ala, il retournera. Et qu'il sera questionné et interrogé quant à son séjour sur terre. Et qu'il sera destiné soit au paradis ou à l'enfer. Cette destination finale se joue aujourd'hui. Et nous savons que avant l'enfer ou le paradis, nos actes seront mis sur la balance. Péché d'un côté et hasanat de l'autre. Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait, jalla wa ala, que chaque péché ne soit rétribué que d'une seyyi'a. Et par sa miséricorde également, il a fait en sorte que chaque hasana sera décuplé par 10, jusqu'à fois 70, jusqu'à fois 700, et jusque bien au-delà de cela. Donc pour un péché commis, une hasanat fois 10 au minimum. Pour un péché commis, une seyyi'a. Et pour une hasana, et pour une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala la décuplera fois 10 au minimum. Il y a sans aucun doute là la preuve de cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou dont Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part. Je tiens à rappeler ici que le mois du Ramadan est un mois dans lequel les actions sont plus que décuplées fois 10. Parce que ce que j'ai dit précédemment est valable pour les actions de manière générale, durant toute l'année. Mais Allah subhanahu wa ta'ala continue à nous combler de ses bienfaits lorsque il nous donne des occasions durant l'année que pour pouvoir augmenter encore cela bien davantage. Et vous savez que le mois du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à nous chers croyants et croyantes, il nous dit, il nous rappelle subhanahu
que As-Siyam, le seul qui... C'est bon? Le Siyam, le seul qui sait au combien les actions sont décuplées, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans un hadith Qudsi que chaque action que fait le serviteur pour se rapprocher de son créateur, chaque action, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque action revient à ce serviteur, à l'exception faite du Siyam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa sam fa innahu li. Exception faite pour le Siyam, celui-ci me revient. Wa ana ajzibih, et c'est moi qui le rétribuera. Donc le jeûne a cette particularité qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est préservé le droit de savoir ô combien les actions sont décuplées durant ce mois. Chose exceptionnelle, tellement la décuplation est grande et énorme. En ce sens, ce que j'essaye de dire, ce à quoi j'essaye d'arriver, c'est que le Siyam est pour nous une miséricorde et pour nous un cadeau divin afin de pouvoir faire pencher notre balance des bonnes actions. De plus, cette miséricorde s'accentue vers la fin de ces jours bénis, parce que vous savez que dans les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours de Ramadan, il y a ce qu'on appelle Laylatul Qadr, donc qui est à elle toute seule une occasion unique dans ce mois unique. Donc le mois du Ramadan est sans aucun doute une occasion unique dans laquelle il y a une occasion unique qui sont l'Ashr al-Awakhir. Et vous savez que dans l'Ashr al-Awakhir, il y a Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr à elle toute seule a été qualifiée par le Coran al-Karim comme étant bien meilleure que 1000 mois d'adoration. En une nuit, nous espérons pouvoir accomplir des actions qui puissent nous être multipliées et décuplées jusqu'à être davantage meilleures pour nous dans notre balance le jour du jugement que 1000 mois d'adoration. Ce qui équivaut à 83 années en une seule nuit. Vous voyez à quel point le mois du Ramadan est une occasion pour décupler, multiplier ses actions et pouvoir espérer jouir de la récompense divine qui est le paradis et de pouvoir nous soustraire à l'enfer. Nas'Allah Ta'ala qu'il puisse faire en sorte qu'on soit parmi les gens du paradis. Donc, le bienfait, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala continue à descendre vers nous dans la fin de ce mois-ci et il nous permet, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout, de pouvoir rectifier le manque qu'on aurait pu avoir durant ce mois-ci. Et de cette sorte, Allah subhanahu wa ta'ala nous légifère ce qu'on appelle zakatul fitr, l'aumône que l'on donne, yani lors de l'fitr. Et cette aumône, vous savez que de manière basique, à l'origine, nous donnons cette aumône aux pauvres le jour du Eid et elle se donne en nature, c'est-à-dire qu'elle se donne sous forme de riz, sous forme de farine, sous forme de blé, etc. La raison de cela, c'est afin que le pauvre puisse lui aussi le jour du Eid bénéficier des jouissances et bénéficier de ce plaisir partagé entre la famille, de manger ensemble, etc., sans devoir retourner vers le riche le jour du Eid également et lui tendre la main en lui disant « Donne-moi à manger, je n'ai rien à donner à ma famille ». Non, le Zakat al-Fitr est là au moment du Eid que pour pouvoir libérer ces gens de ce manque, libérer ces gens de cette dépendance de l'autre. Le jour du Eid donc est une occasion pour donner aux pauvres cette occasion, cette zakat al-fitr, cette aumône de fitr, et en même temps pour nous de rectifier les manquements qu'on aurait pu avoir durant ce mois. Zakat al-fitr a été estimé de manière, en tant que nature, à peu près 3 kilos par personne dans chaque famille, c'est-à-dire 3 kilos par tête. Et la responsabilité de cela revient au chef de famille. Les enfants sont considérés comme des adultes à ce niveau-là. Même les bébés, comment dirait-on, les nouveau-nés. Pour toute personne dans la famille, donc, on fait sortir à peu près 3 kilos. Évidemment, de nos jours, vous le comprenez très bien que
il y a des gens qui arrivent à s'en sortir à ce niveau-là, qui n'ont pas besoin qu'on leur donne de farine ou de riz, etc., et qui ont plus besoin d'une compensation financière, que ce soit pour les aider justement à payer le loyer ou à peu importe quelle autre tâche. Donc, il y a le deuxième avis juridique qui est aussi repris et que vous connaissez tous, qui est le fait de faire sortir Zakat al-Fitr sous forme de monnaie, et qui a été également estimé à peu près 5 euros par tête, donc par membre de la famille. Il y a donc dans cette Zakat al-Fitr, ce qui est important à notre niveau de relever, c'est qu'il y a pour nous yani une nouvelle porte ouverte vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque à travers celle-ci, nous pouvons pallier au manquement que nous avons commis durant ce mois de Ramadan, afin que celui-ci puisse être comptabilisé complet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens également, nous accueillons cette journée exceptionnelle qui est la journée du Eid. La journée du Eid est conçue par certains croyants qui malheureusement n'ont pas réellement compris ce qu'est cet acte adoratoire exceptionnel qui est Siyam. Ils ont abordé le jour du Eid comme étant une libération, comme s'ils avaient été précédemment mis en prison. Non, ce n'est pas le cas, pas du tout. Le jour du Eid est vraiment une occasion de faire la fête, est vraiment une occasion d'être heureux. Pourquoi ? Parce que nous avons pu jouir de ce cadeau divin, nous avons pu nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, et nous avons pu préparer un avenir certain auprès de lui, préparer notre place au paradis, préparer la manière de pouvoir nous sauvegarder de l'enfer. Nous avons pu jouir de cet approchement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous fêtons les actions que nous avons commis et en lesquels nous avons espoir, ou en tout cas en lesquels nous avons espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il puisse nous rétribuer à juste titre. C'est en ce sens que nous fêtons l'Eid, et non pas une libération d'une adoration qui, en réalité, dans le cœur de chaque croyant qui a vraiment compris ce qu'il accomplit lorsqu'il fait le jeûne, il a vraiment compris que cela est un cadeau et un mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Je répète cela sans cesse afin que ce soit clair dans l'esprit de tout à chacun. Donc c'est vraiment un mérite et c'est vraiment un cadeau que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir, qu'il nous ait offert. Donc le jour du Eid est un jour de fête, est un jour où nous sommes heureux des actions que nous avons pu accomplir durant ce mois. Les bienséances à tenir le jour du Eid sont les suivantes. Donc il convient aux croyants, aux croyantes, le jour du Eid, de se lever évidemment très tôt avant l'heure de la prière et de faire ce qu'on appelle le ghusl, le lavage yani, de l'impureté majeure, tel qu'il est fait lors de l'impureté majeure. Donc, yartasil, il se lave de l'ablution majeure, ensuite il se parfume. Évidemment, cela équivaut pour les hommes, puisque les femmes, il convient plutôt pour elles qu'elles soient discrètes et qu'elles se fassent discrètes à ce niveau-là. Le prophète sallam nous a ou a interdit aux femmes de circuler dans la rue en étant très parfumées afin qu'elles n'attirent pas quelques-uns qui pourraient avoir des regards biaiseux ou quoi que ce soit. Donc, al-ghusl, le lavage majeur, également at-tatayyub, le fait de se parfumer, et évidemment de se vêtir de la meilleure parure que nous pouvons avoir. Cela avant de sortir de la maison. Également, avant de sortir de la maison, le jour du Eid, il convient aux croyants et il est une sunna, il est surérogatoire, il est conseillé de manger avant de sortir. Et en particulier, s'il peut, des dates. Et s'il peut, en chiffres impairs, 1, 3, 5, 7, etc. Donc ça fait partie de la sunna du prophète, alayhi salatu salam, le jour du Eid al-Adha, le jour du Eid al-Fitr, afwan. Également, lorsqu'il se dirige vers la mosquée, il essaye d'arriver très tôt. Et vous savez justement que dans le point précédemment cité qui était Zakat al-Fitr, Zakat al-Fitr est une zakat qui se doit d'être accomplie avant Salat al-Eid. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'il sort de chez lui le jour du Eid et qu'il se dirige vers la Salah, évidemment, très tôt, il peut encore arriver à la mosquée et faire sortir Zakat al-Fitr.
Ceci dit, pour Zakat al-Fitr, les savants ont stipulé qu'il est permis de la faire sortir un jour plus tôt ou deux jours plus tôt. Donc, il se dirige vers la mosquée le jour du Eid et il choisit un chemin. Il essaye de prendre un chemin autre pour le retour. C'est-à-dire, il essaye de changer le chemin au moment où il doit revenir chez lui. Donc après la salah. Le jour du Eid est également une occasion à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que nous sommes une communauté unie. C'est-à-dire que c'est le jour où nous allons nous visiter les uns les autres. Et en particulier, vous savez que les croyants sont tous proches les uns des autres, mais davantage en ce qui concerne les liens familiaux. Donc c'est vraiment le jour où nous allons visiter la famille. C'est le jour duquel nous profitons que pour pouvoir effacer les différends que nous aurions pu avoir avec l'un ou l'autre de nos frères, avec l'une ou l'autre de nos sœurs. Donc on rectifie le tir à ce niveau-là et on demande pardon, on demande excuse et on essaye de vraiment concrétiser cette ukhuwa, cette fraternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir entre nous. Évidemment, également, le jour du Eid, vous savez qu'il est un jour de takbir, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de takbirat ce jour-là. Il convient aux croyants d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier, et cela commence à partir de la nuit du Eid, c'est-à-dire la nuit où on ne fait pas tarawih. Et vous savez qu'en islam, la nuit précède le jour, c'est-à-dire que le 27, par exemple, le jour du 27, eh ben, il commencera la nuit du 26 et le jour du 27. Et à partir du Maghreb, le jour du 27, dans le calendrier lunaire, c'est déjà le 28, par exemple. Donc la, jour du Eid, la nuit du Eid Afwan commence le dernier jour de Siyam. À partir du moment où on ne fait pas Tarawih, Salat al-Isha, etc., vous voyez pourquoi ? Parce que c'est considéré comme étant la première nuit du Eid. Ce n'est plus la nuit de Ramadan. Et vous constatez également qu'à l'entrée du mois, lorsque nous annonçons Ramadan, le jour où nous avons mangé, qui est le dernier jour de Sha'ban, vous voyez que cette nuit-là, déjà, on commence à faire Tarawih. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la nuit fait entrer le jour qui le suit, et c'est à partir de là donc, que ça commence. Donc, il convient à cette nuit-là, la première nuit du Eid, donc le dernier jour de Ramadan, de commencer et de pouvoir évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le takbir. Donc, le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Également, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala continue à nous inviter après le mois de Ramadan. Et vous savez qu'il y a sit min shawwal, les six jours de shawwal qu'il convient aux croyants. Bien sûr, c'est surérogatoire, ce n'est pas obligatoire, mais il convient vraiment aux croyants de s'y adonner parce qu'il y a un mérite exceptionnel dans ces six jours-là. Vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous enseigne, il nous dit que Shahr Ramadan, et s'il est suivi par Sitt min Shawwal, les six jours de Shawwal, cela équivaut au fait de jeûner toute l'année. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que chaque hasana est multiplié par 10 au minimum. Et nous savons qu'il y a 30 jours dans le mois de Ramadan. 30 jours fois 10 font 300. Si vous ajoutez à cela les 6 jours de Shawwal, donc 6 fois 10, ça fait 60, n'est-ce pas ? 300 plus 60 nous font bien 360. Et vous savez que dans le calendrier lunaire, c'est à peu près cela, une année tout entière. 360 jours à peu près. Donc, il y a vraiment un mérite exceptionnel à jeûner ces six jours-là et à essayer de s'y adonner avec foi et avec conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue d'une telle récompense ces jours-là. En ce qui concerne les femmes qui auraient dû rompre leur jeûne pour des raisons de menstrues ou de lochies ou quoi que ce soit, donc il convient pour elles de d'abord remettre les jours obligatoires. Et si le temps le permet, de faire ensuite et après cela les six jours de Shawwal. Donc vraiment, on conseille de commencer par l'obligatoire et de le faire suivre par le surérogatoire. Et cela entre en équilibre, ou en tout cas dans la ligne visée par le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque celui-ci nous dit « Man sama Ramadan », celui qui jeûne le mois du Ramadan et qui le fait suivre par Sitt min Shawwal. Donc celle
qui a des jours à rattraper doit d'abord les terminer que pour pouvoir les faire suivre des 6 jours de Shawwal. Vous savez également que le mois du Ramadan est une université, c'est une école qui est plein d'enseignements. Et le mois du Ramadan nous enseigne et nous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'acte adoratoire. Nous voyons que ce mois est un mois de jeûne, donc d'abstinence, que ces nuits sont des nuits de veillée, c'est-à-dire de prière. Nous voyons que dans le mois de Ramadan, les gens ont tendance à donner énormément l'aumône. Nous voyons que pendant le mois du Ramadan, les gens se rappellent sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est un enseignement qui peut nous aider à poursuivre cela durant le reste de l'année. Donc, ce n'est pas une station qui se termine par le jour du Eid, non. On ne démissionne pas de l'islam le jour du Eid, non. Au contraire, nous profitons de Ramadan, tel un tremplin que pour pouvoir continuer notre année dans une relation claire et dans une relation de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois du Ramadan est vraiment cette occasion qui nous permet de pouvoir continuer durant l'année à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'évoquer. Et vous savez qu'il y a durant le reste de l'année, en ce qui concerne le Siyam, il y a encore l'occasion et l'appel de pouvoir purifier son âme à travers cet acte adoratoire tous les lundis et jeudis par exemple, ainsi que 3 jours de chaque mois qui sont les jours, ce qu'on appelle Ayyamul Bid, les jours de pleine lune, de pleine lune. Donc c'est deux occasions évidemment qu'il faut essayer de prendre et de quelles il faut profiter durant tout le reste de l'année. Également, ces veillées nocturnes. Les veillées nocturnes, il est un concept faux de penser qu'elles sont particulières au mois du Ramadan. Non, Salat al-Layl est valable durant toute l'année. Et en particulier, l'instant qui précède Waqt al-Fajr. Évidemment, chaque personne selon son niveau et selon ses capacités, celui qui peut faire 11 raka'a par nuit, falhamdulillah, celui qui n'en est pas capable, qu'il en fasse 7, 9 ou 5 ou 3, même s'il n'a pas le temps et qu'il se lève vraiment juste avant le fajr, ne fût-ce qu'une raka'a, mais qu'il essaye de ne pas délaisser cela parce que c'est vraiment des instants desquels il faut profiter en tant que croyant et pouvoir justement espérer le jour de la rétribution, de jouir le plus possible de la récompense divine et puis surtout évidemment aussi de se préserver du châtiment, car vous savez que et le châtiment de la fournaise est un châtiment énorme et face auquel on ne peut pas d'aucune manière soutenir une telle souffrance. Et vous savez que les gens de l'enfer ont un désir, le désir le plus profond qu'ils aient, c'est de pouvoir un jour succomber à leur douleur. Et vous savez que cela est impossible, c'est une douleur qui est éternelle. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala qui puisse nous en préserver. Ces occasions du mois de Ramadan, ces occasions de prière, c'est des occasions à ne pas lâcher, à ne pas éviter. Bref, c'est des occasions qu'il faut prendre afin de pouvoir se préserver de cela et espérer jouir de la récompense divine. Donc le mois de Ramadan est un tremplin pour le reste de notre année. Nous continuons à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons à essayer de revenir vers lui à travers la demande de pardon, à travers l'acte, et également nous le remercions, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir permis d'accomplir ces actes adoratoires, car sans aucun doute, je le répète et je le répète encore, c'est un cadeau de sa part, subhanahu wa ta'ala, qu'il convient donc de remercier et de shkur Allah azzawajal. Et vous savez que shukr ne se fait pas uniquement à travers la parole, mais elle se fait également à travers l'acte. I'amalu ala Daoud shukra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, faites le shukr, faites le remerciement lorsqu'il parle à Ali Daoud. Donc à travers l'acte, ce qu'on entend par là, par l'acte, c'est les salats. Ce qu'on entend par l'acte, c'est les zakawat, le fait de donner l'aumône. Ce qu'on entend par l'acte, c'est également le jeûne,
tel que nous l'avons accompli durant ce mois. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire en sorte qu'il ait accepté de nous nos actions et qu'il puisse subhanahu wa ta'ala nous permettre de profiter du reste de l'année que pour revenir vers lui, car sans aucun doute il est le seigneur de Shahr Ramadan, tout comme il est le seigneur de Shahr Shawwal, tout comme il est le seigneur de Dhul Qi'dah, tout comme il est le seigneur de Dhul Hijjah, etc., etc., etc. Donc il est notre créateur, vers lui nous retournerons, et tant que nous sommes sur terre, nous avons ce devoir de lui obéir et de le remercier de ses bienfaits. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc la période pour jeûner les 7 min Shawwal sont le mois de Shawwal, c'est-à-dire qu'on a tout un mois que pour pouvoir accomplir les six jours de Shawwal. Donc si on fait les six jours de Shawwal dans les six derniers jours du mois de Shawwal, c'est bon. Nous avons accompli les 7 min Shawwal. En ce qui concerne les femmes, donc, comme je l'ai précédemment dit, par rapport à celles qui auront eu, par exemple, leur menstruation durant ce mois ou les lochis, eh ben, elles commencent par l'obligatoire. C'est-à-dire, elles commencent par remettre les jours de Ramadan. Et ensuite, elles les font suivre des six jours de Shawwal. Ça, c'est ce qui est en conformité directement avec le hadith prophétique. Donc, là, nous sommes en conformité directement avec le hadith prophétique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il dit, « Man sama Ramadan, celui d'entre vous qui jeûne le mois du Ramadan, thumma atba'ahu, et ensuite le fait suivre. » Je tiens à souligner ici, le fait suivre. Et ensuite le fait suivre de sit min Shawwal, des six jours de Shawwal. Celui-là aura. Pour celui-là, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc, l'aura fait suivre. Pour celle qui a eu ses menstrues ou les lochis, donc, et qui ferait les six jours de Shawwal, et ensuite rattraperait ses jours de Ramadan, ça ne correspond pas tout à fait au fait de faire suivre sit min Shawwal. C'est pour ça que nous conseillons vivement et fortement de vraiment commencer par les jours de Ramadan. Parce que les actes adoratoires qui sont obligatoires prévalent sur les actes adoratoires qui sont surérogatoires. Toujours, c'est une règle. Nous commençons toujours par l'obligatoire et ensuite nous nous adonnons au surérogatoire. Ça, c'est la règle de base, c'est ce qui est le plus, ou en tout cas le plus clair, le plus proche du hadith prophétique, de l'enseignement prophétique. Il y a certains savants qui ont permis, étant donné que Shawwal est délimité, qui est un mois, et pour celles, par exemple, qui auraient ses lochus, par exemple, ou qui auraient, par exemple, accouché, etc., et qui auraient 40 jours à remettre, enfin, qui auraient 40 jours dans lesquels elle ne peut pas faire le jeûne, c'est-à-dire qu'elle va avoir un mois à remettre, le mois de Ramadan en entier, par exemple, ben pour celle-là, c'est pas possible pour elle de faire sit min Shawwal. Donc certains savants ont permis de faire sit min Shawwal durant le mois de Shawwal et puis de, pendant l'année, rattraper les jours au fur et à mesure. Il y a certains savants qui ont permis cela. Mais le meilleur, celle qui peut, vraiment afin de pouvoir rester en conformité la plus absolue avec le hadith, serait de commencer par les jours de Ramadan et ensuite de terminer par sit min Shawwal. Et rappelez-vous évidemment la récompense énorme qu'il y a dans un acte adoratoire tel que celui-ci. Allahu a'lam. Quand je vais à la mosquée, donc quand on va à la mosquée à Jodahed, pourquoi quand on revient à la maison, on doit prendre le même chemin? Très très bonne question. Le jour de l'Aïd, quand on va à la mosquée, on vous demande de ne pas revenir par le même chemin. Pourquoi? Très bonne question. Alors, à cette question-là, il peut y avoir plusieurs réponses. Wallahu a'lam. Yani, mahma kan, tu expliques, Allahu a'lam. Yani, d'après un petit peu ce qu'on lit de certains savants, etc., Wallahu a'lam, il peut y avoir quelques approches différentes par rapport à cela. Déjà, premièrement, ce qui est le plus important pour nous, ce qui est pour nous l'enseignement de base
qui est vraiment pour nous la chose la plus importante, celle sur laquelle nous nous accrochons le plus, c'est le fait que d'abord c'est une sunna prophétique. Si le prophète alayhi salat wa salam ne faisait, c'est qu'il y a une guidée dans un acte tel que celui-ci, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le huda dans un acte tel que celui-ci. Donc ça, c'est pour nous le plus important. C'est le fait de pouvoir mettre nos pas derrière le prophète alayhi salat wa salam. Et lorsque le prophète salat wa salam nous enseigne cela, lorsqu'il a pratiqué la chose de cette manière-là, c'est qu'il y a de manière impérative pour nous un bienfait dans cela. Même si on n'est pas capable de manière directe à déceler, ou en tout cas être certain que ce soit ça le bienfait voulu par le prophète alayhi salam. Allahu alam. Lequel le prophète salam nous a conseillé cela, et cela nous suffit en tant que croyants pour pouvoir savoir que c'est la manière la plus adéquate de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir vers lui. Ça, c'est la première réponse à ta question qui me semble vraiment importante de mettre en évidence. Donc le fait que c'est une sunnah. Et pour nous, ça, c'est déjà plus que suffisant. Deuxièmement, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim nous enseigne que la terre et les éléments qui sont sur cette terre témoigneront yawm al-qiyamah, le jour de la rétribution, soit en notre faveur, soit en opposition. D'accord ? Donc les éléments, la terre sur laquelle nous avons commis des péchés, elle témoignera le jour du jugement. Et elle dira, Fulan, sur moi, aura fait ceci, aura fait cela. D'accord ? Donc ça, c'est clair. Tout comme ils témoigneront en ta faveur. C'est-à-dire qu'ils témoigneront que Fulan faisait la salah, que Fulan faisait ceci, vous faisait cela. Vous savez, de cette manière-là, que le fait d'aller à la mosquée, surtout dans des occasions telles que le jour du Eid, qui, en général, normalement, le jour du Eid, à l'époque, ne se déroulait pas forcément à la mosquée, il se déroulait dans ce qu'on appelle le Musalla, qui était un endroit un petit peu en dehors de la ville, dans lequel pouvaient se réunir tous les croyants en même temps. Parce que vous savez que dans une mosquée, des fois, il est difficile de réunir tout le monde, et vous le voyez. Regardez juste ici à Bruxelles, regardez la mosquée, regardez juste la nuit du 27, comment est-ce que c'était. Les gens priaient jusque dans le parc plus loin. Ça, c'est juste dans cette mosquée-ci. Que dire si tous les gens de Belgique se réunissaient dans un même endroit ? Il faudrait un endroit donc très très large et très très grand. Cela est en général se trouve un petit peu en dehors de la ville. Donc il y a beaucoup de pas à faire et il y a une certaine distance qu'il faut accomplir ce jour-là. Il convient de changer d'itinéraire pour la raison suivante. C'est que vous savez qu'à chaque pas, il y a une récompense énorme. N'est-ce pas ? Et au plus il y a de pas, évidemment, au plus la récompense est grande. Et vous savez que ce lieu vers lequel nous allions, ou vers lequel allaient les croyants à l'époque, était un lieu qui était assez loin, comme je vous ai expliqué, pour la raison du regroupement de masse, donc était un lieu un petit peu loin, donc la distance était déjà plus grande. Donc c'est une occasion que pour pouvoir augmenter encore ses hasanat et diminuer ses péchés. Ça, c'est d'une part. Tous les pas que vous faites, la terre sur laquelle vous marchez témoignera en votre faveur le jour du jugement et témoignera que vous êtes passé par elle que pour pouvoir aller à la mosquée. Et vous savez que lorsque nous allons à la mosquée, nous avons des hasanats comme si nous y étions déjà. Tout cela est des hasanats, yani après hasanats. Lorsque nous revenons, nous changeons d'itinéraire. Pourquoi ? Afin que d'autres endroits également témoignent en notre faveur. Que ce soit les pavés, ou que ce soit les arbres, ou que ce soit les gens même, ou que ce soit les murs à côté desquels nous passons, tout cela témoigneront en notre faveur. Et nous avons besoin de tout ce genre de témoins, yawm al-qiyamah, afin de pouvoir augmenter notre place, ou en tout cas préparer notre place dans le paradis. Ça, c'est un deuxième aspect. Un troisième aspect également que l'on peut citer à ce niveau-ci par rapport au fait de changer d'itinéraire, c'est vous savez que le mois de Ramadan, le jour du Eid, le jour d'une fête telle que celle-ci, vous savez que le croyant en général est heureux et également généreux. Et vous savez que le long du chemin, surtout à l'époque, vous pouviez rencontrer beaucoup de pauvres sur le chemin. C'était une occasion de donner par-ci, de donner par-là. Et lorsqu'on change d'itinéraire sur le retour, également, nous rencontrons d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin. C'est encore une occasion de pouvoir partager avec eux. Que ce soit le don
de manière, comment dirais-je, directe et matérielle, c'est-à-dire l'argent, ou que ce soit un salam, ou que ce soit un sourire, ou que ce soit rencontrer quelqu'un peut-être qu'on n'aurait pas rencontré si on avait pris l'autre chemin. Donc augmenter ces occasions de rencontrer des gens et de partager avec eux. Que ce soit partager quelque chose de matériel ou que ce soit partager quelque chose d'autre que matériel. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'un sourire, il y a des gens qui ont besoin d'un salam alaikum, il y a des gens qui ont besoin d'une poignée de main, il y a des gens qui ont besoin de voir leurs frères. Donc tous ces aspects-là sont retenus à ce niveau-là et c'est des genres d'occasions où on essaye en tout cas de profiter de cela. Allahu a'lam, il peut y encore y avoir d'autres aspects au changement d'itinéraire. Allahu a'lam. Les diabétiques. Si le docteur dit qu'il s'est interdit de jeûner, il doit donner une compensation pendant tout le mois. Après les séjours de Shawwal, comment font-ils? Est-ce qu'il doit donner également une compensation? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ouais. Pour les séjours de Shawwal, Allahu a'lam. Donc, en ce qui concerne les maladies, elles se divisent en deux catégories. C'est fini la question ? Je réponds quand même à la question ou pas? Est-ce que vous voulez? Hein? Donc, les maladies se divisent en deux catégories. Même si qu'elles soient graves ou pas graves, elles se divisent en deux catégories. Il y a des maladies qui sont bénignes, c'est-à-dire dans le sens où il y a espoir de guérison. Dans ce genre de cas-là, même si c'est une maladie grave, mais il y a espoir de guérison, dans ce genre de cas-là, la personne attend d'être en bonne santé, et ensuite, elle rattrape ses jours. D'accord ? Si, au contraire, c'est le deuxième cas de figure, qui sont des maladies, comment dirais-je, dans lesquelles il n'y a pas espoir de guérison, dans ce genre de cas, il convient aux croyants d'avoir une compensation financière pour chaque jour de jeûne qui est estimé à peu près à 5 euros par jour. En réalité, 5 euros, c'est une estimation. La réalité, c'est que chaque personne estime à peu près la valeur de son repas. Hein? La valeur de son repas. 5 euros, c'est à peu près un minimum. Il y a des gens, mashallah, tabarakallah, qui sont assez bien financièrement, etc., et qui s'offrent des repas plus chers que 5 euros. Donc, c'est en fonction du repas de chacun. Mais en général, on dit 5 euros, pour donner une estimation un peu claire aux gens. Donc, 5 euros par jour. Si c'est un mois de 29 jours, 5 fois 29. Si c'est un mois de 30 jours, 5 fois 30. Allah a'lam. Okay. Donc si j'ai un problème dans la famille, donc une dispute grave, je n'ose pas trop aller parce que j'ai peur que ça va faire des conflits. Je préfère envoyer un SMS avant
Et puis ensuite, parce que quand j'envoie un SMS, Inch'Allah, je reçois une réponse positive et puis ensuite j'y vais. Est-ce que c'est bon, c'est accepté? Donc, je tiens à rappeler que on va fixer des bases et ensuite on va essayer de revenir sur la question. Mais je tiens à rappeler que nous sommes une communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette communauté se doit d'être unie et soudée. Il a décrété en ce sens une multitude de ahkam. Même lorsqu'on voit les jugements de l'islam, on voit que beaucoup de jugements vont en ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire salat fil masajid, par exemple pour les hommes. Les femmes aussi, mais surtout pour les hommes. Yani l'ordre vise les hommes. Pourquoi ? Pour justement avoir cette rencontre. Pour justement se rappeler que nous sommes unis. Si nous faisons attention au siyam que nous venons d'accomplir, nous voyons également que dans ce siyam, il y a cet appel à l'unité. Alors, le prophète nous enseigne, il dit « Siyam yawma tasumun ». Le siyam commence le jour où vous jeûnez, où la communauté se réunit pour faire le jeûne. Également, vous voyez, vous constatez que durant le mois du siyam également, il y a « Sahur ». Le moment où on se réunit pour manger avant de commencer le jeûne, avant le fajr. Également, le moment de la rupture du jeûne. Vous voyez que souvent, c'est des moments qui sont familiales, c'est-à-dire où les familles se rencontrent, où les familles se réunissent. Donc vous voyez qu'il y a cet esprit de rencontre, cet esprit qui est véhiculé par la charia. On voit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manière très claire et très expéditive, certains principes qui contredisent cette unité. On voit dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se calomnier. Il a interdit également la médisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala également dans le Coran al-Karim, même très très dur à ce niveau-là. « Ayuhibbu ahadukum man ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh » Allah subhanahu wa ta'ala dit. On voit également que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le fait de s'observer les uns les autres que pour pouvoir aller chercher les défauts des uns des autres. Tout cela pourquoi? On voit également que Sharia al-Islamie a été assidue sur le fait de donner le salam. De donner le salam pour pouvoir avoir justement un lien avec son frère, avec sa sœur. Donc on voit une multitude de préceptes islamiques qui vont dans un sens bien précis, qui vont dans le sens de concrétiser une communauté forte et soudée, une communauté qui s'entraide. Vous savez également que l'être humain, lorsqu'il se mélange avec d'autres personnes, il y a une multitude de raisons qu'il puisse entrer en conflit. Et vous savez que Shaitan également, le prophète sallam nous enseigne que Shaitan ne vient pas chez les gens de croyances fermes, les gens de grande foi, il ne vient pas chez eux leur donner des tentations futiles telles que de les prendre par exemple dans une discothèque ou boire de l'alcool, etc. Non, mais en général chez les gens qui essayent de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que Shaitan va venir vers eux et va essayer de semer la zizanie entre eux. Walakin bit-tahrishi baynakum, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de semer cette zizanie entre les croyants et de les séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'unité une force. Il y a dans l'unité des buts observés par la charia, des buts voulus par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est vraiment une base qu'il faut essayer de concrétiser. Maintenant, en ce qui concerne, évidemment, le jour du Eid, c'est des occasions, justement, des occasions qui sont données à cette communauté que pour pouvoir profiter de cela et effacer le genre de discorde et recréer ce lien de fraternité. Surtout, et j'insiste, surtout, à partir du moment où le conflit qui est entre le frère et le frère, ou le conflit qui est entre la sœur et la sœur, c'est un conflit mondain. C'est un conflit, yani, qui est considéré, entre guillemets, par Sharia comme étant plus ou moins futile. Pas un conflit dini. C'est pas parce que, pour des raisons, islamiques, telles que, par exemple, je sais pas moi, une sœur qui ferait la guerre à une autre sœur parce qu'elle porte le foulard.
Mathalan, ça c'est une autre sorte de conflit qui a son jugement personnel. Mais dans le cas où c'est des conflits, on va dire, de fréquentation, des conflits, par exemple, elle aurait fait un geste qui n'a pas plu, ou elle aurait fait des allusions qui ne sont pas adéquates. Bref, quelque chose de mondain, quelque chose qui n'est pas lié à Allah subhanahu wa ta'ala directement, qui n'est pas lié à Sharia de manière directe. À ce moment-là, vraiment, l'occasion du Eid, c'est vraiment l'occasion de pouvoir rectifier ce manquement, et rectifier le tir et ressouder un lien solide entre le croyant et son frère, entre la croyante et sa sœur. Évidemment, vous comprendrez très bien que je parle de cas général. Chaque conflit est assez particulier. On ne peut pas donner une réponse valable pour tous les conflits et dans tous les cas de figure. Non, on ne peut pas faire ça. Évidemment, chaque conflit doit avoir une médiation particulière. Yani, selon sa nature, selon la personne avec qui on est en conflit, etc. Bon, je ne peux pas me permettre de donner une réponse et prétendre que cette réponse-là va être valable pour tous les cas de figure. Non, je ne peux pas faire ça. Mais je donne des généralités qui sont évidemment très très importantes pour nous. Ce que j'essaie de rappeler, c'est que s'il s'agit d'un conflit mondain, alors à ce moment-là, vraiment, ce qu'il faudra mettre en avant, c'est d'essayer de mettre de côté tout cela, d'oublier. Vous savez que, en tant qu'exemple, Youssouf alayhi salam, pour justement un conflit mondain entre lui et ses frères, qui était une histoire de jalousie. Il disait que le père de Youssouf aimait Youssouf plus que les autres frères, donc c'était assez mondain, c'était une question de jalousie. Vous savez qu'ils ont voulu le tuer, vous savez qu'ils l'ont jeté dans le puits. Il a été privé, Youssouf a été privé de son père pendant toute sa jeunesse, qui était une période très très longue. Il a été vendu telle une marchandise. Il a été esclave, il s'est retrouvé même en prison. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de ses bienfaits, vu sa véracité, et l'a ramené vers l'avant de la scène. Et il lui a donné, entre guillemets, le ministère des finances ou de l'agriculture de l'époque, si on peut dire ça ainsi. Et que les frères de Youssouf sont revenus vers lui justement pour lui demander de leur donner l'aumône, parce que les récoltes avaient été dures durant ces années-là. Et vous voyez que Youssouf alayhi salam, qui a subi tout cela, qui était un conflit énorme en réalité, un conflit mondain, c'est pas un conflit dini, c'est pas un conflit de foi, non, c'est un conflit de relation entre des gens qui n'est pas lié directement au dîn de manière directe. Et on voit malgré tout que c'est un conflit énorme. On a privé un enfant de son père durant des années, on l'a privé de sa famille. Il a été vendu telle une marchandise, il a été en prison. C'est pas quelque chose de petit. Et on voit que quelle est sa réponse et quel est son comportement à partir du moment où ses frères reviennent vers lui pour lui demander de surcroît. De lui demander de leur donner des récoltes, et lorsque ceux-ci se rendent compte qu'il s'agit bien de Youssouf, il lui demande pardon, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La tathrib alaykoum ». Yani, aujourd'hui, on ne va pas vous réprimander, pardon vous est fait. Et ensuite, il continue cela, Youssouf alayhi salam, et il dit que la faute revient à Shaytan. C'est Shaytan qui a semé la zizanie entre ses frères. Même la faute, il ne l'a pas remise à son frère, il l'a remise à Shaytan. Il a privé ses frères, je dirais même, de les qualifier comme étant dans l'erreur. On voit qu'il faut faire l'effort de pardonner son prochain. Il faut faire l'effort de se reconcilier vers lui, de revenir vers lui, même si, dans votre vision des choses, c'est lui qui a commis l'erreur ou quoi que ce soit. Non, essayez justement de profiter du jour du Eid pour pouvoir reconcrétiser, recréer et aider à instaurer sur terre cette unité de la communauté. Allah Ta'ala a'lam. Un jour, d'autres qui disent que la fête de l'Aïd dure 3 jours. Je suis perdu, je comprends pas. Ils ont tous raison.
seulement un jour c'est pour Eid al-Fitr et trois jours c'est pour Eid al-Adha. C'est un jour pour la fin de Ramadan et trois jours pour la faute du mouton. Non, okay. Donc elle dit ses enfants, il arrive que ses enfants parfois la frappent. Alors elle dit est-ce que ce seront eux qui vont être punis ou ce sera moi parce que je ne les ai pas grondés ou pas éduqués comme il faut. C'est les enfants de qui? Ses enfants même. Tout d'abord, on implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse faire en sorte que nos enfants soient bien éduqués et soient des enfants pieux. Évidemment, l'éducation des enfants est quelque chose de très compliqué qui demande des cours particuliers et qui demande une réflexion très très approfondie. Répondre à une question comme ça, je dirais de manière assez basique, on va essayer, mais je pense Allah alam, que la réelle question que la sœur doit se poser, c'est pas de savoir est-ce que c'est eux qui sont en tort ou c'est elle qui est en tort. Non, je pense que la réelle question que la sœur doit se poser, c'est comment faire en sorte que pour pouvoir améliorer les choses. Parce que le fait de dire c'est eux qui sont en tort ou c'est elle qui sont en tort ne vont pas régler la situation. C'est pour ça que c'est une question qu'il faut reléguée au second plan. Il faut qu'elle vienne bien après. Je pense que la sœur doit vraiment essayer de réfléchir, essayer de demander conseil, essayer de retourner vers les gens pour pouvoir savoir comment faire pour que ses enfants puissent s'améliorer et améliorer leur comportement et améliorer leur relation, que ce soit avec elle ou que ce soit avec les gens ou que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala d'abord et avant tout. Donc je crois que la sœur doit plus s'occuper de cet aspect-là des choses. Quant au fait de savoir qui a tort et qui a raison, vous savez qu'il est très très difficile pour moi de répondre à une telle question. Pourquoi ? Parce que qui a tort, qui a raison implique de comprendre la situation dans son entièreté, de savoir qui a fait quoi exactement et en fait qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, etc. Chose que je ne peux pas comprendre à travers une question telle que celle-ci. Ceci dit, bien sûr, il est évident, et vous savez que dans la loi de l'islam, la mère a une place exceptionnelle. Vous savez déjà que les parents, de manière générale, ont une place exceptionnelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, après avoir interdit shirk, qui est la plus grande des injustices, qui est l'injustice qui est commise envers lui, le fait d'adorer quelqu'un d'autre que lui, hein, qui est la plus grande des injustices, juste après, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'injustice envers les parents. Juste après. Donc, ce qui explique cette place qu'occupent les parents dans la charia al-islamiyya.